Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2019-2020. Donc c'est reparti pour les tutos de guitare acoustique, les tutos de guitare électrique, et puis cette année, la nouveauté, c'est qu'on va travailler la basse ensemble. Le morceau qu'on va travailler aujourd'hui est un morceau de 1976 du groupe Blue Oyster Cult, et le morceau s'appelle Don't Fear the Reaper. Ce groupe n'est pas très connu en France, mais très connu dans le monde entier. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, ça va être donc de travailler l'arpège principal qui revient tout le temps dans le morceau. J'ai décidé de vous le jouer à la guitare acoustique, mais sur la version originale, allez l'écouter. Ce morceau est joué donc à la guitare électrique. Donc je vous explique tout ça. Vous prenez votre guitare, et puis pendant l'explication du morceau, je vous parlerai aussi de mon site internet qui est fermé pour le moment, mais vous inquiétez pas, ça va rouvrir très prochainement. Donc à vos guitares acoustiques ou électriques, le Mediator, et c'est parti! Alors pour commencer, je vous montre d'abord les harmonies sur lesquelles on va s'appuyer donc pour faire l'arpège. Donc on est en tonalité de la mineure, donc regardez à l'écran. On a besoin d'un la mineur, d'un sol, d'un fa, et d'un sol, d'accord. Donc si vous jouez avec un camarade et que vous vous faites l'arpège, votre pote ou même le bassiste pourrait jouer sur la, sol, fa, sol ou la mineur à la guitare, et on pourrait le faire en croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord, un petit peu plus rapide, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, la guitare qui va arpéger, ce que je vais vous montrer, s'appuie sur les harmonies de la mineur, sol, fa et sol. Donc vous regardez bien les accords à l'écran, déjà pour vous mettre ça dans les doigts. Une petite aparté avant de poursuivre sur l'arpège. Là maintenant je vous parle donc de mon site internet qui est fermé depuis le mois d'août, donc vous inquiétez pas. Vous avez été nombreux effectivement à me signaler que le site était fermé, c'est normal. Enfin c'est normal, non, mais je vais m'en occuper au mois de septembre, pour essayer qu'il réouvre, allez, fin septembre ou au mois d'octobre. D'accord ? Donc vous inquiétez pas, vous retrouverez tout avec les partitions comme avant, ok ? Une autre petite aparté concernant les méthodes que je vends sur Vimeo. Donc vous avez été nombreux, donc je vous en remercie, à m'acheter des partitions et donc de profiter des moins 25% qu'il y avait quasiment sur tout le mois d'août. Donc vraiment super, j'espère que ça va vous aider à progresser à la guitare. Donc, certains m'avaient déjà acheté des méthodes avant, donc ils avaient déjà mon adresse mail. Donc c'était facile pour communiquer, pour donc m'envoyer un mail, m'expliquant ou me disant quand vous aviez acheté la méthode pour que je vous envoie les partitions. Parce qu'en fait, avant, il fallait passer donc par mon site internet, mais là qui est fermé. Et donc par mon site internet, vous aviez mon adresse mail, donc c'était très facile. Là, je vous avais dit sur la précédente vidéo que vous pouviez passer par la messagerie Vimeo, on communiquait et je vous envoyais les partitions, d'accord. Mais peut-être que certains avaient loupé l'information, d'autres sont passés par Facebook comme je vous le recommandais. En tout cas, si on a qui ont acheté les méthodes, voici donc mon adresse mail qui apparaît à l'écran. Vous me dites quand vous avez acheté la méthode pour que je puisse vérifier évidemment. Et puis si c'est le cas, je vous envoie les partitions, donc n'hésitez pas à vous manifester. Allez, on repart sur Don't Fear the Reaper. Donc c'est un morceau à jouer absolument avec le Mediator, en arpège. Comme j'ai dit en intro, normalement c'est sur la guitare électrique, mais on peut le faire sur n'importe quelle guitare. Le morceau va assez vite, nous sommes noirs à 140, donc la vitesse n'est pas le but premier. Le but premier c'est que vous appreniez cet arpège qui revient plein de fois, que vous l'appreniez par cœur, et que vous soyez capable de le faire très lentement,
sans vous arrêter plusieurs fois. Une fois que vous arriverez à cette première grosse étape, ensuite avec le temps, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez accélérer la vitesse. Donc n'hésitez pas à jouer avec une boîte à rythme ou avec un métronome pour savoir à quelle vitesse vous en êtes. Alors je vous montre les notes. Sur l'accord de la mineure, en fait, on va retirer le premier doigt, on n'en a pas besoin, d'accord ? Et on va donc attaquer la corde de la vide. Corde de ré et de sol, bah, nos doigts sont placés à la deuxième case. D'accord ? Donc ça nous fait trois notes. En fait, on aura quatre croches par accord. Donc ça nous donne 0-2-2 sur la corde de la ré sol. La quatrième note, on va retirer les deux doigts ici pour attaquer uniquement la corde de sol. D'accord ? La corde de sol à vide. Donc ça nous donne 0-2-2-0. Ok ? Sur le sol, que je vous ai montré comme ça tout à l'heure, je vous conseille plutôt d'adopter une position de sol comme ceci, ce que j'appelle le sol country. Mais ça va être beaucoup plus simple parce qu'en fait, on va arpéger que sur les cordes graves. Donc on aura juste en fait, un sol 6, on va dire, une position d'accord de sol 6, donc avec ces deux doigts ici. Et on va attaquer la corde de mi, la, ré, sol. D'accord ? Sur le la mineur. Sur le sol. Ok ? Sur le fa. Au lieu de faire un gros barré, on va encore une fois privilégier un jeu avec les cordes à vide. Donc on va uniquement faire un power chord en arrondissant bien le doigt ici, pas collé comme un barré. Moi j'utilise 1, le premier doigt, l'index et le petit doigt. Donc, première case corde demi, le petit doigt ou le troisième doigt à la troisième case corde de la. Et nous retrouvons la corde de ré et de sol à vide. Donc la difficulté se trouve peut-être sur cet accord-là, parce qu'il va falloir bien arrondir, faire une sorte de position de barré qui n'en est pas un, parce que c'est un power chord, et donc faire sonner 1, 3, 0, 0. Toujours bas, 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 bas. Hein, au médiator, j'adopte sur les 4 cordes à chaque fois, ou sur chaque arpège, bas, 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 bas. N'hésitez pas, pourquoi pas, à expérimenter d'autres coups de médiator. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a semblé le plus naturel. D'accord ? Donc le fa. Et une fois qu'on a fait le fa, on revient sur le sol. Ok ? La mineure, lentement. Ok ? Le deuxième sol. Le fa. Et le sol. Joue maintenant très lentement, deux fois on va dire, pour vous montrer comment l'enchaîner. Donc 3 et 4 et sol, fa, sol, une deuxième fois, la, sol. Travaillez ça très lentement. Un petit conseil, comme sur la quatrième note de chaque accord, nous avons des cordes à vide, essayez sur cette quatrième attaque, à chaque fois, de lever vos doigts pour anticiper l'accord d'après. Regardez. Donc, au niveau du nombre de notes, 1, 2, 3, et quand j'attaque la quatrième note, je lève les doigts. Pareil sur sol. 1, 2, 3, 4, fa, 2, 3, je lève, 4, 1, 2, 3, et je lève. Ok ? C'est peut-être ce qui va vous permettre de bien tout coordonner et d'aller de plus en plus vite. Ok ? Donc cet arpège-là, en fait, est à faire 8 fois pour démarrer le morceau. Il y a 2 fois avec la guitare seule, 2 fois avec la batterie et 4 fois avec le chant. Ok ? Donc travaillez ça très lentement. Est très sympa, on est sur une harmonie vraiment qu'on retrouve sur plein de morceaux, on est en la mineur. Ok, donc c'est à maîtriser. Et puis, que vous connaissiez ou pas
ce morceau, peu importe. Là, techniquement, ça va vous aider après à jouer plein de morceaux que vous aimez. Et techniquement, ça va enrichir votre jeu. Donc cette intro est à faire 8 fois. Speedez-la progressivement. Ensuite, on a un pré-refrain en power chord qui va nous donner donc 4 croches en Fa. Donc là, on va attaquer que la corde de Mi et de La sur la première case corde de Mi et la troisième case corde de La. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je décale ça en Sol. Donc ça me donne 3, 5. 4 croches également. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je passe en La, 5, 7. Et là, on fait 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour avoir le son blues rock, pourquoi pas donc étouffer un petit peu avec la tranche de la main. On en a déjà parlé plein de fois. Et j'en parle aussi beaucoup sur Vimeo, sur mes DVD, sur le blues, par exemple sur la rythmique. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça donne un côté assez sympa. Et qui est en contraste avec le côté... jeu ouvert de l'arpège. D'accord ? Donc il y a un côté blues rock. Une fois qu'on a fait Fa, Sol, La, 2, 3, 4, on va faire Fa, 4 croches, et ensuite un power chord de demi. Power chord de demi, il est là. 0, 2, à partir de la corde de demi grave. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je déplace comme si je faisais un power chord comme ça, demi. D'accord ? Ça m'évite de trop bouger la main. Fa, Mi, ok. Ensuite, on retourne sur le La, 4 mesures. Pardon, 4 croches. Et Sol. D'accord ? Donc la deuxième partie, c'est Fa, 1, 2, 3. Power chord de demi, power chord de La, et power chord de Sol. Et après, vous allez voir, on va quasiment revenir pareil à l'identique que sur l'introduction, et ça nous donnera le refrain. Donc je vous rejoue donc ce pré-refrain. Fa, Sol, La, 2, 3, 4, et Fa, Mi, La, Sol. Ok. Ensuite, on arrive sur le refrain, et le refrain, en fait, on va commencer sur le Fa. D'accord ? Même arpège que tout à l'heure. Et ensuite le Sol. Et ensuite, on va jouer donc l'introduction 9 fois, ok ? Donc après, on repart sur... Tout simplement, donc 9 fois. Et donc ça va comprendre, dans ces 9 fois-là, le refrain. Ça va correspondre aussi au solo, un petit solo guitare, et des la, 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 ok, 9 fois. Et une fois qu'on aura fini nos 9 fois, on fera un accord de la mineur, qu'on laissera sonner 8 ans, c'est-à-dire 2 rondes liées. Donc vous voyez que cette introduction arpégée, c'est ce qu'on retrouve énormément. Une fois qu'on a fait cette grande première partie, l'idée c'est quasiment faire pareil une deuxième fois, et après il y a une autre partie, différentes avec des solos qui sont assez sympas, hein. Vraiment Blue Oyster Cult, c'est plutôt cool comme groupe. N'hésitez pas à écouter d'autres morceaux sur YouTube, il y a des solos, voilà. Et puis après, on repartira sur l'introduction. Donc, l'idée, très simplement, c'est de travailler ça très lentement. Ça paraît simple, il y a un petit peu de boulot. Très lentement, là je vais le faire 2 fois. Ensuite, de maîtriser le power chord. 1, 2, 3, 4, Fa, Mi, La, ok. Et ensuite, on ouvre les doigts pour repartir sur l'introduction. Et à faire donc 9 fois. Et à la fin, la mineure sur 8 ans. Voilà les amis, donc c'est la fin du tuto. Donc, un morceau pas si difficile que ça lorsqu'on le travaille lentement, la difficulté va être de le jouer vite, d'accord ? Et puis, un petit mélange avec des power chords, et puis après on retourne sur l'arpège, donc un arpège à jouer au médiator. Si vous avez plusieurs guitares, jouez-le sur toutes vos guitares, pourquoi pas même sur une guitare classique, qui aura un manche beaucoup plus gros, donc ça peut être intéressant de le maîtriser aussi dessus. Et si vous avez une guitare électrique, allez-y, parce que c'est sur ce type de guitare que ce morceau a été enregistré.
Donc les amis, si vous avez des questions, vous passez par la messagerie de YouTube, pas de souci. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé le tuto, vous mettez des petits pouces, des commentaires positifs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt les amis. Bye bye.